Depuis que la tribu s'était établie dans la lance du fleuve, près de la cascade, la troisième saison d'or allait commencer. Le village comptait 300 habitants lors de sa fondation à cet endroit. Il en avait maintenant 500, et les jeunes le quitteraient à l'automne pour aller fonder une colonie nouvelle. Grog remontait le courant, il avait dépassé la cascade et se rendait vers le lieu où elle, naguère, s'était écroulée blessée. L'élan venait retrouver Grog chaque année, lui donner les nouvelles de la forêt tandis que tous deux nageaient pendant des heures. Lugh, l'écureuil, a 5 petits. Hugh, le loup, s'est séparé de son clan. 4 chevaux sauvages du troupeau de Vel ont été capturés par les hommes. Grog l'écoutait avec intérêt. Puis elle le quittait mais revenait quelques semaines après. Cette fois encore, ils se rencontrèrent. Grog, dit l'élan, comme tu as tardé cette année. Mais Grog, au lieu de répondre, le regarda l'air ahuri. Elle n'avait plus ses lourdes cornes. Qu'as-tu fait de tes bois, elle? Demanda-t-il. J'ai atteint mon troisième printemps, Grog. Mes cornes, désormais, tomberont chaque année pour repousser toujours plus belle. Regarde. Il abaissa la tête. Ne vois-tu rien? Elles sont en train de pousser. Elles apparaîtront à la prochaine lune. Maintenant, viens avec moi. J'ai du nouveau à te montrer. Viens donc. Ils s'engagèrent sous bois dans une petite clairière. 8 tout jeunes élans broutaient. Ce sont mes petits, dit elle en s'approchant d'eux. Du couvert sortirent 4 femelles, et tandis qu'elles regardaient le castor avec douceur, elles léchaient le pelage tout neuf de leurs petits. Grog s'attarda devant ce charmant spectacle. Puis il salua toute la famille, regagna le fleuve et plongea. Les bois étaient pleins de vie, les oiseaux gazouillaient et des milliers de petits êtres bruissaient de toutes parts. Grog était heureux, mais le fleuve le préoccupait un peu. Il n'avait pas eu de crue et son courant était sans force. « Bah, murmura-t-il cette année, il y a moins d'eau, mais qu'importe. » Or, un jour, il vit arriver elle, qui s'étonnait de n'avoir pas vu plus tôt. « Grog, dit l'élan, je t'apporte des nouvelles inquiétantes. Vel le cheval vient d'abandonner les pâturages du sud. Hugh a quitté le cœur de la forêt et se dirige avec les siens vers le fleuve. Tout le monde fuit dans la même direction. » J'ai vu Lugh l'écureuil, et il m'a dit que loin d'ici, aux abords de l'autre fleuve, Tarlé dévore tout. Tarlé, demanda le castor. Qui est Tarlé? Comment? S'étonna elle. Tu ne le connais pas? Tarlé est une petite chose qui grandit rarement, mais quand elle grandit, elle devient terrible et détruit tout sur son passage. Les arbres, les buissons et jusqu'à l'herbe. Nar, l'hariq, pour ceux les mefermouches. « Peu importe, nous trouverons toujours de quoi manger. »« Non, Grog, là où passe Tarlé, il dévore tout, les oiseaux, Hugh, Leo, Leif. Il dévore même Orol, le serpent, et Sis, la vipère. Il tue elle et Grog. »« Pourquoi nous tuerait-il? Nous ne lui avons rien fait et nous ne sommes pas Pelle, le peuplier, ou Tulle, le sol. »« Tarlé est vorace comme Kill, le chacal, mais Kill se rassasie quelquefois, Tarlé jamais. » Qui peut tuer Tarlé? Elka, l'eau. Alors nous n'avons pas à craindre Tarlé, puisque nous sommes amis d'Elka, et qu'elle nous défendra. Grog, Elka n'est plus descendu depuis le début de la nouvelle saison. Je le sais. Et le fleuve n'a pas grossi. Je le constate chaque jour, elle. Maintenant, sur la terre, tout est sec, et la sécheresse est amie de Tarlé. Il viendra jusqu'ici. Le fleuve l'arrêtera. Oui, mais tu n'auras plus rien à manger. Pelle le peuplier, Tulle le sol, Gil l'aulne et toutes les plantes mourant. Mais où se trouve donc ce Tarlé et pourquoi ne pas l'attaquer? Tarlé est rouge, il brille, il flamboie, et si tu l'approches, il te brûle. Tous le fuient. Regarde ces arbres au bord de l'eau. Leurs branches sont chargées d'oiseaux. Tiens, voilà Lugh, voilà Fraise. Ils se rapprochent du fleuve. Évidemment, une grande menace était dans l'air. On percevait déjà, venant de loin, un ronflement sourd et profond, et plus distinctement, le bruit des animaux en fuite. Vers le soir, Vel, le cheval, atteignit la rive opposée du fleuve. Il était essoufflé, mouillé de sueur, et l'écume pendait de sa bouche. Il s'approcha de l'eau et but avidement. Elle, par-dessus l'eau, le héla. « Vel, que se passe-t-il ? » Surpris de s'entendre appeler, le cheval eut un sursaut, mais il se ressaisit en voyant l'élan et lui cria « Fuis, tandis qu'il en est temps encore. Tarlé s'avance. Où est-il maintenant? Il remonte la cascade, sur les deux rives du fleuve. Demain ou cette nuit même, il sera ici.
La cascade? S'exclama Grog. Mais ne m'as-tu pas dit qu'Elka peut vaincre Tarley? Tarley ne va pas sur Elka et l'eau ne va pas sur Tarley, répondit le cheval. Ils ont dû passer ensemble un accord. Le malheur, c'est qu'auparavant, Elka n'a pas mouillé les prairies et les bois. Quelqu'un a donné vie à Tarley et Tarley dévore tout ce qui n'est pas mouillé. Hugh et son clan me précèdent de 2 jours. Moog, le buffle, passera d'un moment à l'autre et jusqu'à Siviguk, le lynx qui fuit. Mais Tarley est rapide, il y a Laf, le vent qui l'aide. Grog déclara l'élan. Je vais avec Vel. Elle et le cheval s'élancèrent vers le nord. Grog médita un instant. Puisque Tarley n'allait pas sur Elka, Louis Grog était sauvé. Mais le village qui émergeait sur l'eau et communiquait avec la rive pouvait se trouver en danger. À cette pensée, il descendit le fleuve à la nage, plus rapidement que le courant paresseux. À l'aube, et pour la première fois, il connut Tarley. Une épaisse et noire fumée surprit ses narines et lui brûla les yeux tandis qu'il avançait. Il suffoquait, envahi d'une insupportable chaleur, et percevait au loin les gémissements des plantes et le crépitement continu de la forêt. « C'est Tarley qui dévore, » murmura-t-il. Bien avant la cascade, il sentit sur l'eau une vibration bien connue. Il s'arrêta pour écouter 2, 3, 4 coups. « Criff !» s'exclama-t-il, et il battit la réponse. Quelques instants plus tard, son ami le rejoignit. « Quel bonheur de te retrouver sain et sauf !» dit Criff en poussant un soupir de soulagement. « Que se passe-t-il au village ?» demanda Grog. « Tout s'enfuit. Ils ont suivi le courant afin de se réfugier là où Tarley a déjà passé. » Mais hélas, elle a dévoré beaucoup de nos cabanes et de leurs habitants. Mais Tarley ne va pas sur le fleuve, dit Grog. Tarley lui-même, non, mais l'art, sa fumée, estrie, sa chaleur y vend. Regarde-moi donc, Grog. Grog vit alors que le beau manteau soyeux qui faisait la fierté de Criff était roussi, brûlé par endroits. C'est l'œuvre de Stri, soupira Criff. Il ne faut pas descendre le fleuve, proposa Grog. Remontons-le jusqu'à ce que Tarley meure. Ils dépassèrent l'endroit où Grog avait séjourné quelque temps avant le désastre et ils poursuivirent leur course bien au-delà, sans jamais rencontrer un animal. 6 jours durant, ils fuient devant le feu. À la fin du 6e jour, Grog s'écria. « Criff, regarde, Janky, le nuage !»« Enfin, Elka ne peut supporter Tarley davantage et va le combattre !» Un nuage mince avançait à l'horizon, rapide et léger, il précédait une masse noire, compacte, prête à fondre. Tarley doit être assez loin derrière nous, dit Criff. Arrêtons-nous. Ils trouvèrent quelques racines arrangées. Un souffle ténu courait sous les arbres. La forêt frémissait dans l'attente de l'eau. La voilà, s'écrièrent ensemble les 2 castors. Mais leur voix fut étouffée par une sourde détonation. 3, 4 fois, Janky l'orage gronda. Souffla, foudroya le sol de ses regards de feu, puis se tut. Tout devint inerte et silencieux. On entendit seulement en loin Tarley le dévorateur. Puis, avec un profond rugissement, Janky attaqua sans avant-garde, faisant donner toute sa masse. La pluie tomba, torrentielle. Si proches qu'ils fussent l'un de l'autre, les 2 castors ne se voyaient plus. En un instant, l'eau détrempa la terre et des milliers de ruisselets se mirent à serpenter entre les troncs, à s'insinuer sous les fourrés, les uns fuyant dans le bois, les autres courant au fleuve. Non loin, le combat contre Tarley faisait rage. L'eau attaquait par en haut, mais le feu se défendait dans des positions inexpugnables. Il renflait rageur dans certains troncs d'arbres, évidés par la vieillesse et menaçait les arbres voisins de ses langues voraces. Ou bien il rampait sous les buissons au ras du sol pour atteindre de nouvelles proies. Mais il rencontrait souvent les petits ruisseaux qui s'infiltraient dans les endroits les plus inaccessibles à la pluie. Et la lutte continuait sans merci, dans un vacarme assourdissant, qui dominait les voix de toutes les bêtes. Tarley, qui perdait peu à peu ses positions, crépitait de colère. Elka bouillonnait dans une jute soif de vengeance. Tel était l'aspect de la lutte en première ligne. À l'arrière, il était plus terrifiant encore. Là, Tarley régnait encore en maître, et Janky entendait le terrasser. Le feu, aidé par le vent, s'efforçait de repousser le nuage, mais ceux-ci recevaient des renforts et tenaient bon. Il entreprit de les suffoquer en se servant de l'arc. Sa fidèle fumée, elle se dissimulait derrière elle ou la déplaçait brusquement pour tremper l'adversaire, mais Janky, roi du nuage, déjouait toutes les manœuvres et tenait bon. La bataille dura 2 jours avec de part et d'autre des alternances de succès et de revers. Enfin, Janky fut pleinement victorieux.
Il déversa ses dernières réserves sur Tarley, expirant, puis disparut, porté par une brise légère, tandis que du fleuve et de la forêt s'élevait le chant de joie et de reconnaissance que tous les animaux entendaient pour lui. Jean-Ki le Grand a vaincu Tarley. Gloire à Jean-Ki, gloire à Jean-Ki.